Perks. Oh Perks, oh Perks qui s'est fait ganker. Perks qui s'est égaré du côté de ce buisson. Il va y avoir un First Blood récupéré par Airwalks. L'excellentissime nouvelle. Kikiz dans le trade, Kikiz avec le Stiliton, Kikiz qui a tenté et Kikiz qui vient achever avec le Q-Spell. Oh, la soumission et le pilier et l'erreur de l'autre côté maintenant, mais toujours lorsque Kikiz est sur une top lane, les mecs s'entretuent en 1v1, 2, 3 fois de suite en chaîne. Yazilian qui arrive, qui sera à portée d'ulti, il n'y aura pas besoin. Derrière, la grille, pour lui, on va s'auto-ulti pour Perks. On va même pas le laisser vivre, on va l'attendre au respawn. Est-ce qu'on a un petit quelque chose de donné? Perks, oh, la bombe! Absolument terrible. Il y a le repos d'Agneau qui est en train de sauver toute l'équipe. Des rocades, le double kill maintenant de Betsy. Le Tifan était bien mené, c'est dommage. Les génies ont mis du temps à se réunir, même si Perks, avant de mourir dans un ultime rack d'agonie, a mis une superbe double bombe. Perks, il va s'auto-ulti. Voilà, Perks, il est en train de faire son travail de deny, de zoning. Et en plus, on va réussir à pick up le kill. Ce parang, Nashor sécurisé et une avalanche de kills. Bon! Oh, peut-être le pick-up? Non, il a réussi. La réponse est non, et là il y a tout le monde. On va essayer d'arriver, le tsunami, Perks va s'en sortir, bien évidemment, vers les Kikiz. Dans les mêlées, Kikiz il a mangé rien, il peut se permettre d'y aller un petit peu YOLO. On va booster Sven en vitesse, oh Sven sur Betsy, Sven, free DPS. On est dans le repos d'agneau, mais regardez Sven, il est intouchable, incroyable, encore il va. On y va, le face down, double kill, triple kill, kill Sven the bâtard. Et il est mort en fait, Sven. Bon, malheureusement pour lui, mauvais timing au niveau de la QSS téléporting de la part de Perks. Il a déjà récupéré son ultimate, du moins dans les secondes qui viennent. Et les G2, après un start placé sous le signe d'une trampoline, parsemé de haut et de bas, phase de mid-game, phase d'engroupement, mais exemplaire. Et tout le monde a équipé la casquette du cas. Mais ça a bien l'air d'être trick. Airwalks, c'est très difficile pour lui de sortir. Le coup de bidon va être deny. Et non, c'est flashé. Allez, le décalage, il y a le décalage de Perks. Le go-in de Perks. Attention, il n'a pas beaucoup de points de vie. Oh. Mais c'est bon, il y avait le décalage aussi d'expect. First blood pour Perks qui récupère un petit blue buff de nulle part. Ça, c'est vraiment le cadeau. C'est une bonne journée. On va aller sur Sven. Il a son flash. Sven, il va être obligé de le claquer après le transfert arcane. Par contre, la téléportation d'expect sur la tombe. Il y a un raise, il est gratuit. Il est gratuit. Il a fait le portail. Airwalks, on va aller sur raise. Ouais, c'est pour le kill flash under et flash in. Expect, il a pris la fatigue, il va falloir qu'il s'engage le pilier. Est-ce qu'on arrive à gagner un stun des enfers? Non, pas de stun des enfers. Par contre, on va continuer sur Shao qui a tenté de brain trick. Il a été slow par le baril. On n'a plus le flash, on a le coup de bidon, mais c'est pas grave parce que derrière, Perks est au décalage. Voilà, pour essayer de deny d'ailleurs, on va essayer de dépush instantanément. On a les heals, la téléportation aussi d'Expect qui va arriver. Sven qui se fait ramener, Sven. Il a la fatigue, le heal qui est claqué pour Sven. Il va être couvert. Catastrophe! Double bump avec Mythic qui vient caler du stun. Expect qui n'ose pas rentrer, il est encore pas extrêmement tanky. Sven qui se fait heal par Mythic, le putover qui vient prendre le kill. Expect, c'est cadeau, la récolte, le kill qui est sécurisé par le coréen de cette équipe G2. Et là, c'est un carnage. On est venu s'enliser entre les tours en double kill pour cette Irelia qui va revenir avec sa trinité pour éventrer le troll. Ça devient un petit peu dangereux là pour les G2. Oh, le body slam, Perks est repositionné avec un flash out. Trick, le double buff, mais c'est la frontline qui est devant. Trick va tomber. Un coup de laser des Victor. En standard, on a Expect dans la mêlée, mais c'est une Irelia avec un demi-objet de tanking. Triple kill pour Betsy qui va continuer le kill finalement de Steelback. Sven et va essayer de s'enfuir le pilier. Et le pilier et les rocades qui annihilent complètement les G2. Et en parlant de DPS, avec du Azir et du Ezreal late game et le stéroïde de Ezreal en multi-cible, on pourrait très bien avoir un cambriolet de Nashor et le roi, la partition impériale. C'est bien, on a complètement empêché Airwalks de venir contester au niveau du smite. Airwalks qui va être obligé de disengager. Les avant-centrales qui sont claqués, la téléportation qui va arriver pour Expect qui va pouvoir rentrer dans la mêlée, foncer sur Betsy. Expect, est-ce qu'il a encore son ange gardien? Oui, il l'a, mais là on va l'attendre à la sortie. Et oui, c'est tout le problème. Et il y avait un trap justement. C'est ce qu'on disait au niveau de l'ange gardien. C'est un très bon item, sauf dans cette partie là. Sven dans une mauvaise posture, on le mauvais pas. Oh c'est bon, il a réussi, il va encore attaquer. Suivi, transfert arcanique. Le stun, style magique, ça suffira pas. Et c'est peut-être la game. Si on arrive à prendre Sven, on peut essayer de finir. Mythia disengage, transfert arcanique encore pour Sven. Est-ce qu'on peut rusher sur la mine? Non, il reste Azir. Il reste Ezreal, finalement Perks vient de repop. Steelback, la fatigue sur Steelback, la partition impériale, Peggy. Pardon, Peggy, Perks, Perks, instant de dépop. Pareil qui tombe, pareil
qui avance, telle la montre. Flash inagressif de Benzi avec les dégâts de son Victor. Et c'est peut-être la game, on va en expecter à l'arrivée. Gardien, trappe, champion national, double kill pour Steelback. Et les Rockets qui s'offrent la victoire face au G2 en 50 minutes. Un partout, première défaite des G2. Le sourire est là sur les lèvres de Steelback. Et la guerre de Skilling a été remportée. Regardez-le, ce joueur. C'est son année. C'est son année. Il faut qu'il continue comme ça. Et